Rise up, valiant one, stop sleeping. Rise up because my heart is lamenting. Remise de prix à Fethullah Gülen. Le savant turc a reçu jeudi dernier à Atlanta le prestigieux prix Gandhi, King, Ikeda pour son dévouement à la promotion de la paix et des droits de l'homme. Il est décerné par l'université Morehouse. Retrouvons Aïcha Oulian sur des images de Hira TV. Le savant religieux turc Fethullah Gülen a été honoré par l'université Morehouse d'Atlanta. Aujourd'hui, il vit aux États-Unis et a reçu le jeudi 9 avril 2015 à la chapelle internationale Martin Luther King le prix Gandhi King Ikeda pour son implication dans la promotion de la paix dans le monde. Le prix Gandhi King Ikeda Community Builders récompense chaque année depuis 2001 une personnalité promeut les idéaux pacifiques de l'Indien Gandhi, de l'Américain Luther King et du Japonais Daisaku Ikeda a été créé conjointement par la chapelle international Martin Luther King et le Centre Gandhi pour la réconciliation. Il met en relief les œuvres des personnalités qui agissent de façon significative et déterminante pour la paix dans le monde. Dans ce lot, le savant turc succède à de prestigieux récipiendaires comme le prince de Jordanie Al-Hassan bin Talal, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, l'ancien président de l'URSS Mikhail Gorbatchev, l'ancien président sud-africain Frédéric de Klerk, l'archevêque Desmond Tutu, l'ancien premier ministre israélien. Je ne peux accepter ce prix qu'au nom des membres du Yitzmet qui se sont dévoués au service leurs semblables sans rien attendre en retour, a déclaré Gülen dans son message. Dans son message, l'érudit turc a salué le courage des sympathisants du Yitzmet qui œuvrent dans les quatre coins du monde, notamment les enseignants qui offrent les pires conditions dans le monde de l'Irak, menacé par Daesh, au Nigeria, en Afghanistan ou le personnel médical qui agit en Somalie ou au Soudan. Le doyen de la chapelle internationale Martin Luther King Jr. Lawrence E. Carter précise que c'est la première fois que le prix est décerné à un leader religieux musulman. Nous sommes honorés de l'attribuer à Fethullah Gülen, qui contribue à la paix mondiale, soutient Carter. Il souligne l'importance du message de Gülen qui condamne sans réserve les attentats à la bombe et le meurtre de personnes innocentes. Par ailleurs, Scott Alexander, professeur au Collège de l'Union théologique catholique de Chicago, qui a prononcé le discours d'ouverture devant des centaines de personnes présentes à la cérémonie, loue les qualités de Gülen. Il dit « Leur cœur et leurs proches sont remplis de sincérité », a déclaré Alexander avant de louer la grande âme de Gülen, qui promeut la paix et la tolérance par les activités d'éducation.